ず止めてみせる。Hey, hey les amis, c'est Letko, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Captain Tsubasa Zero. Donc aujourd'hui beaucoup de news, désolé je viens de me réveiller, désolé, faites pas attention à ma tête. Donc beaucoup de choses aujourd'hui, deux nouveaux portails, portail World Cup, ça y est, ils sont de retour pour l'anniversaire de la japonaise. Portail spécial aussi avec palier pour les Argentins. On va dans l'actualité. Il y a aussi un Nita à récupérer pour récupérer un dribble. On a un match à rebours. Bon, apparemment, il y a 3000 gemmes à récupérer. Donc voilà. Hein. Voilà, c'est tout. À part ça, il y a le Nita, je vous ai dit, Argentine et les World Cup. Avec un Wakabayashi. Je sais pas si le Wakabayashi était sorti sur la japonaise, mais je crois que oui. Normalement, je vois pas pourquoi il n'aurait pas été sorti. Donc voilà le Nita gratuit à récupérer. Nita, je crois que c'est collège. Parce que quand, quand Nita est à l'ananas de Katsu, je crois que c'est au collège ou au lycée. Je crois que c'est lycée parce qu'en fait, Nita va à l'ananas de Katsu. Quand Tsubasa part au Brésil, normalement, si je dis pas de bêtises. Hein. Rectifiez-moi en commentaire si je dis une bêtise, normalement c'est ça. Donc il va donner le dribble du Faucon X, donc à prendre, bien évidemment, pour votre Nita, le jour où vous avez un Nita très très fort. Ou peut-être pour ce Nita-là, donc il faudrait voir les stats. Donc bien évidemment, vous allez avoir des jetons Nita à échanger, et des jetons défi. Donc voilà, donc premier match vous allez gagner un ticket Zap, une carte à pièces Tsubasa et une carte à pièces Tsubasa. D'accord. Les pièces Tsubasa, ça je viens de comprendre. En fait, c'est les pièces, c'est l'or quoi. D'accord, ok. Ok. Je m'en rappelais plus qu'est-ce que c'était, mais en fait c'est ça. Ok. Et ok. Donc ok, par contre il y a un petit problème dans le jeu, c'est que quand tu lances le premier match, tu es bloqué à 96 ou 87%, donc le match ne se lance pas. Je vais pas faire le test avec vous, je sais pas si vous avez le même problème que moi, mais en tout cas moi j'ai ce problème là, le match ne veut pas se lancer. Il y a beaucoup de choses qui vont pas dans le jeu, il y a aussi la technique de frappe de Sawada qui veut pas se lancer aussi, enfin qui veut pas se... l'animation ne veut pas se mettre. C'est un petit peu chelou quand même. On va aller voir les nouveaux portails qui sont là. Ils sont magnifiques. Voilà, donc Yuga Rouge, qui était considéré comme l'un des meilleurs Yuga du jeu. Maintenant, je sais pas, il faudra voir si les Yuga, si le Yuga Junior Youth et le World Cup sont plus forts. Apparemment, d'après ce qu'on m'a dit, le Yuga Junior Youth est plus fort. Voilà, il est plus fort que le Yuga World Cup. Il y a un Mizugi vert et un Matsuyama bleu et un Genzo bleu à récupérer. Donc là, c'est le portail avec 3000 gemmes payantes, mais avec un joueur 3 étoiles garantie. Le Genzo, il est à 2%. C'est un truc de ouf. Normalement, tu l'as. Normalement, si tu achètes 3000 gemmes, tu l'as. Normalement, tu l'as. On va les taux de distribution. Voilà, hop. Voilà, 2% le Genzo, c'est incroyable, il est incroyable. Arrêt sauté impénétrable. Et bon, après, vous avez 0,18 pour avoir le Wakashimazu, le Sawada, le Matsuyama, etc. Le Jito, etc. Après, vous avez les deux étoiles, 1,5. Donc, c'est peut-être maintenant, si vous voulez un gardien fort, que vous avez raté un gardien, c'est peut-être maintenant d'investir. Soit vous avez de la chance, enfin, soit vous êtes un cash player et là il va falloir peut-être mettre un petit peu d'argent. Ou sinon, bah, 3000 gemmes pour faire le multi. Voilà. Et là, vu qu'il y a 3000 gemmes à récupérer avec le compte à rebours, j'ai pas tout bien compris. Parce que là, ils donnent 300 gemmes, en tout ils vont donner 3000, j'ai pas compris le délire. Bon, c'est comme ça. Et là, vous avez le palier
13 500 gemmes pour aller au bout du palier avec un joueur argentin garanti. Vous avez le Diaz, vous avez le Galvan et vous avez le Pasquale. Le premier palier à 2000. Voilà. Premier palier à 2000 gemmes. Détail. Donc vous avez deux Pasquale, je crois, avec un tacle et un tir. On a le. Comment il s'appelle notre ami Diaz, très très fort le Diaz. Très très fort Diaz bleu. Qui donne à tous les bleus 7%. Et son tir peut aller jusqu'à 7780 quand il est monté au max, quoi. Triple tir gymnastique, 50 426. Voilà. Et il a, c'est quoi son, il a pas de passif. D'accord, ok. Donc là, voilà. Donc il y a deux Pasquales. Donc il y en a un qui donne le tacle argentin. Pardon. Bon, faut éviter parce que moi j'ai le tacle. J'ai le tacle. Bah, je crois que je l'ai le tacle argentin. Hein, mais je l'ai pas en ex, je l'ai en normal. Donc, bon. Normal, je pense que ça suffit pour récupérer le ballon. Et là, voilà, le tir jonglé. Donc lui, il donne à tous les attaquants au milieu, n'importe quelle couleur, 7%. Voilà. 49 899. Moins fort que le Diaz. Le Galvan qui donne défense impérieuse argentine ex. Donc lui je l'ai en version normale, enfin j'ai la technique en version normale. Donc il donne tous les stats 20% à tous les Argentins. Donc bon, pour l'instant ils sont que 3, mais bon, pourquoi pas, ouais je sais pas. Ouais, je pense pas que cette technique là on apprend. Même si c'est fort hein, 20%, c'est très très fort, mais bon. Ça concerne que 3 joueurs, donc dont lui, Pascual et Diaz. Pour Diaz, c'est super intéressant. Mais après, est-ce que ça vaut le coup de booster qu'un seul joueur? Faut voir. Il a le passif sur 3, 7% à ses propres stats. Ah oui, d'accord. Donc lui, il peut monter jusqu'à 27% de stats. D'accord. Passe à son poste de défenseur. D'accord. D'accord. Ok. Donc il peut monter. Non, il peut monter jusqu'à 30% en tout. Si vous mettez Diaz et Pascal à leur place, et vous fouez les trois. Ouais, 50 328, c'est fort pour le Galvan. Ok, mais ouais, voilà. Donc, je sais, par contre, ce qui est un peu désolant, c'est qu'ils n'ont pas mis la carte des autres joueurs World Cup, à part si je les ai pas vus. Et quand vous faites un recrutement avec le World Cup, vous avez accès à. Vous allez avoir des tickets, vous avez accès à un shop. On verra ensemble si vous voulez. Ouais, vous voyez, ils ont mis que Wakabayashi. Et ils ont mis le Jito Junior Youth et le Sano. Et je crois que le Schneider était déjà dedans. Voilà, ça, voilà. Ils ont rajouté Jito et Sano. Donc, ça, je suis super content. Et quand vous avez 50 tickets, comment s'appelle-t-il, tickets gacha, bonus, et ben vous avez une petite chance d'avoir le Jito. On va essayer de voir les taux. On va voir les taux. Donc oui, 100%, ça on le sait. Donc le Jito, il a 1,5. Intéressant. Voilà, il est un peu boosté par rapport aux autres. Mais par contre, vous avez beaucoup, beaucoup de boosté aussi. Donc il y a moyen de récupérer le Jito. Mais le Jito, il est vraiment indispensable parce qu'il lance la technique d'Itashibana X, et il lance aussi la nouvelle technique de contre du visage de notre ami Ishizaki Junior Yus aussi. Donc super indispensable. Les portails durent 6 jours, donc je pense qu'on va avoir peut-être une mise à jour dans les bah, la semaine prochaine. Ouais, bon, ça c'est ça gratuit, c'est sympa. Bon. Ça mange pas de pain, comme dirait l'autre. Donc voilà, je crois, pour les news. Hein. À part pour le. Alors attendez. Voilà. À part pour le Nita, où j'ai pas pigé. J'ai pas tout pigé. Et aussi pour le match à compte à rebours. Donc, ouais, je pense que le compte à rebours, c'est juste pour récupérer des gemmes. C'est juste pour récupérer des gemmes. Et c'est tout. Voilà les tickets nationaux. Donc je pense que pour avoir 10 tickets World Cup, il faut faire une multi.
Et quand vous faites une multi et que vous avez le Genzo, bah vous pouvez directement le passer 4 étoiles direct. Vous achetez avec 10 tickets 120 insignes et vous le faites passer directement en 3 étoiles. Donc ça c'est en 4 étoiles, pardon, excusez-moi, en 4 étoiles. Après, c'est pas obligé d'avoir le Genzo. Enfin, en fait, ça va dépendre de qui vous allez drop. Voilà. Si vous droppez un joueur, ça c'est génial parce que vous allez pouvoir le monter tout de suite. Voilà. Donc, vous avez Shiseki, Tsubasa, etc. etc. Ou sinon, achetez des techniques. Voilà, vous avez des techniques à acheter. C'est à vous de voir. Et jusqu'à, voilà, avec un ticket, vous allez acheter 12 insignes. Mais par contre, je crois que vous allez pouvoir les acheter dans les jetons. Je pense, hein. Ce serait logique quand même. Hein. On va essayer de voir quand même, mais. Ou pas. Ou pas. Non, même pas. C'est génial. Ce jeu est génial. Donc ça veut dire que. Ça veut dire que quand tu fais une multi, bah non, parce que normalement, pour faire évaluer un joueur en 4 étoiles, il te faut 90. Et 120 quand tu fais passer en 5. Donc est-ce que tu les fais passer directement en 5? Bonne question, ça. Bonne question. Non, parce que là, il est en 3 étoiles. Bizarre. Bizarre. Il n'y a pas les versions 80. Peut-être que je dis une bêtise, mais peut-être, je m'ai dit peut-être, peut-être, et tu les passes directement en 5? De 3 à 5? Non, je crois pas, je pense pas. Je ne pense pas, je ne pense pas. Donc voilà les amis, hein. Voilà, hein, attendez, hop, juste essayer de voir le Nita s'il a ses stats, mais je crois pas. Il est bleu, il a le dribble, mais je crois pas qu'il n'y a pas ses stats. C'est un petit peu dommage que ce jeu ne donne pas de. Tu ne pourras qu'avoir les stats dans déverrouiller joueur. Je sais pas s'il est là. Non, il n'est pas encore là. Donc quand vous allez faire le Nita, quand le jeu sera moins buggé, il apparaîtra là et vous allez le débloquer. Donc voilà les amis. C'est une petite hype, tranquille. On va voir vite fait dans la boutique combien coûterait 3000 gemmes. J'incite personne à le faire, mais par exemple, voilà 3100 gemmes, 32 euros, 33, pardon, 33 euros, c'est un peu 6 fois, ouais, ça reste cher quand même, ça reste cher quand même, ça reste très très cher. Donc voilà, les amis, donc vous avez et aussi dans les défis. Je crois qu'ils ont remis à zéro, donc vous pouvez récupérer comment il s'appelle? Des gemmes. Des gemmes, voilà. Des gemmes. Pas facile ce matin. Pas facile. Voilà. Donc, sympa. Une petite mise à jour sympa. Pour ceux qui veulent voir mon équipe actuellement, allez là. Hop. Comme ça, vous allez voir à quoi ressemble. Donc voilà, quasiment que du. Enfin, même pas quasiment, du japonais à 100%. Il manque plus comment ça s'appelle? Il manque plus que bah, Yuga, par exemple. Le Yuga. Soit le Yuga World Cup ou le Junior Youth. Ce serait magnifique. Donc voilà, donc j'ai récupéré. Bah, j'ai un Nita. J'ai un Nita qui donne la reprise. La reprise, quoi. Attendez, hop. La reprise du faucon. J'ai eu le Matsuyama école primaire, enfin élémentaire. Et j'ai eu le Genzo qui donne l'arrêt où. Pardon. Oui. Où il met la main sur le ballon devant la ligne. Donc j'ai celui-là aussi. Que j'ai eu avec la multi offerte journalière. Ça faisait une semaine que j'avais rien eu. Hein. Ça faisait une semaine que j'avais rien eu sur la multi. Et là, j'ai eu 2 jours hier. C'était n'importe quoi. Donc voilà les amis. Hein. Hop. Et donc voilà pour mon équipe. Bon, bien évidemment, il manque encore des joueurs à passer en 5 étoiles et tout. Et je pense que si je passe tout le monde en 5 étoiles, ouais, on dépasse. Peut-être on arrive aux 600 000. Peut-être. Voilà, peut-être. Voilà les amis, je vous laisse, je vous kiffe et je vous donne à très très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Captain Tsubasa Zero. À la prochaine, je vous kiffe, ciao ciao.